Je suis Nathan Protet et je suis très heureux d'être en votre compagnie aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui de la journée porte ouverte du lycée CFA du Méné à Merdignac. En vous parlant des différentes filières que propose le lycée, mais avant tout les différentes infrastructures. Et donc pour cela, je reçois aujourd'hui Olivine Courrouge, qui est étudiante en PTS technico-commercial animaux d'élevage et de compagnie. Donc bonjour Olivine. Bonjour, bonjour. Pour parler des différentes infrastructures du lycée du Méné, alors d'abord donc il y a l'internat. Donc il y a un côté pour les garçons et un autre côté pour les filles, que pour les internes, donc qui commencent du CAP jusqu'au bac pro. Ensuite il y a une animalerie pour toutes les sections animalières du lycée. Dans l'animalerie il y a une semaine pour chaque élève par an où ils font des mini-stages, donc c'est-à-dire ils s'occupent des animaux, ils les nourrissent, donc entretien et vérifier si tout va bien. Ensuite il y a une serre pour tout ce qui est production horticole, vente de produits de jardin aussi, et pour tout ce qui est personnes extérieures ou bien sûr des personnes du lycée. Et bien sûr eux aussi ils font des mini-stages. Ensuite il y a l'atelier pour tout ce qui concerne les sections aménagement paysage, des cours d'agroéquipement. On peut trouver aussi une salle informatique. On peut y accéder pendant les cours d'informatique, mais aussi les salles informatiques sont ouvertes pour tout ce qui est dossier pour les cours personnels, mais bien sûr qui concerne les cours. Il y a une fleuristerie, donc c'est pour toutes les sections CAP fleuristes. Et il y a un labo de langue, donc anglais et espagnol. Et ensuite, il y a un labo de physique. Il y a des cours de physique, de sciences. Et bien sûr, un CDI, donc un centre de formation où on peut récolter donc, des informations donc, pour les dossiers, pour les cours, ainsi que pour tout ce qui est diapos, exposés, et bien sûr pour tout ce qui est devoir. Donc on peut utiliser les ordinateurs, le CDI et bien sûr et les ouvrages. On peut les lire, on peut les réserver. Donc faut voir ça avec. D'accord, merci beaucoup Olivine. Oui, en effet, le lycée du Méné propose énormément de services et beaucoup d'infrastructures. On vous attend très nombreux pour l'année prochaine.